présence de notre Seigneur. Ainsi, nous ouvrons le culte de ce soir avec les remerciements ainsi que les requêtes. Les frères Delva et son épouse ont besoin de la prière des saints. Duku Delva na mke wake beko na lazima na maombi. Car leur enfant a convulsé. Kwa sababu mtoto wao alikauka. Et elle est à l'hôpital. Na eko hôpital. C'est la rue 19. Muri 19. La sœur Jeanne Kabundi sollicite la prière des saints. Dada Jeanne Kabundi anaomba maombi takatifu. Parce que son téléphone a été volé lors qu'elle était au deuil. Wakati kwa sababu telefoni yake barimui wayo wakati alikuwa kukirio. Elle veut que le volet retourne ça. Na anapenda ule riba amlurishie hiyo. Le frère Godens demande la prière des saints. Duku Godens anaomba maombi takatifu. En faveur de sa fille Jacqueline malade à la maison. Kwa faida binti wake Jacqueline kwa mgonjwa kwa nyumba. Le diacre Marc remercie Dieu. Shemash Marc anashukuru Mungu. Et les saints. Na batakatifu. Pour le rétablissement de sa famille. Juu ya urekebisho wa jamaa yake. Le diacre Marc et sa fille. Shemash Marc na binti wake. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Le frère David Mpiana remercie Dieu. Duku David Mpiana anaomba anashukuru Mungu. D'avoir guéri son enfant qui était malade. Kwa kuweza kutunza mtoto wake yule alikuwa mgonjwa. Que son nom soit glorifié. Jina lake litukuzwe. Le frère Manasse demande la prière des saints. Duku Manasse anaomba maombi matakatifu. Que Dieu guérisse son enfant de l'ennemi. Mungu atunze mtoto wake kudamu kuisha. La sœur Yvonne, épouse du frère Apo, remercie Dieu. Dada Yvonne, mke wa ndugu yetu Apo anashukuru Mungu. D'avoir guéri ses enfants. Kwa kuweza kubariki. Ses enfants malades. D'avoir guéri son enfant malade. Kwa kuweza kutunza mtoto wake alikuwa mgonjwa. Et elle est sortie de l'hôpital. Na yeye acha kutoka hôpital. Et remercie également tous les saints pour leur prière et leur visite. Na anashukuru tena batakatifu wote juu ya maombi na juu ya kubatembelea. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Sans plus tarder, nous nous levons pour la lecture de la parole du Seigneur. Quand nous allons entrer dans la prière, nous allons nous souvenir de toutes ces requêtes afin que notre Dieu puisse répondre. Même si tu n'as pas écrit ta requête, tu vas joindre à ceci et Dieu répondra. Marc chapitre 7, Marco surake asaba, verset 20 à 23. Mustari ya makumi mbili kufika hapa makumi mbili na tatu. Marc chapitre 7 verset 20 à 23. Marco sura yake ya saba mustari ya makumi mbili kufika makumi mbili na tatu. Il dit encore. Akasema tena. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Kile kiku natoka ndani ya mutu njo kile kiku namchafula. Car. Kwani. C'est dit dedans. Ni kutoka ndani. C'est du cœur de l'homme. Ni kutoka ndani ya moto moyo wa mtu. Sort de mauvaises pensées. Mule mko natoka mawazo mabaya. Les adultères. Busharati. Les impudicités. Buzinifu. Les meurtres. Buaji. Les vols. Buizi. Les cupidités. Kupenda kwa fedha. Les méchancetés. Bukaidi. La fraude. Kuibiana. Les dérèglements. Bitu vibaya. Les regards envieux. Macho ya tamaa. La calomnie. Kusimangana. L'orgueil. Kiburi. La folie. Na mazimu. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans. Ibi bintu byote bibaya binatokaka ndani. Et suit l'homme. Na biku na chafula mutu. Yule ayandiko totoko ngusoma. Sur base de l'écriture que nous venons de lire. Kila mtu atamulilia Mungu. Chacun va implorer Dieu. Prions frères et sœurs. Thank you.
Notre Dieu, notre Père céleste, nous te remercions infiniment pour ce soir. C'est pourquoi ce soir, chacun a abandonné ses préoccupations. Parce que nous savons que ici, c'est là où toi, Dieu, tu parles à ton peuple. C'est ici où tu pardonnes nos fautes et nos offenses. Comme nous sommes des hommes, nous branchons d'une manière ou d'une autre. Nous t'offensons, toi Dieu, d'une manière ou d'une autre. Ne permets pas que nous puissions sortir tel que nous sommes entrés. Nous sommes en train d'être pécheurs, les offensés. Nous voulons que tu pardonnes nos péchés et nos offenses. Et la parole qui sera prêchée ce soir, que cela trouve une place dans chacun de nous. Et chacun de nous dise que Dieu réellement il a parlé à moi. C'est pourquoi encore ce soir, regarde les requêtes que tes enfants t'ont écrites. Ils savent que tu es un grand Dieu. Tu es un Dieu qui répond. Tu es un Dieu qui dit. Et tu agis. Tu es un Dieu qui guérit. C'est pourquoi guéris encore ce soir ceux qui sont liés par les comme du diable. C'est pourquoi encore ce soir, nous voulons que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit. Guéris tous les malades au nom de Jésus-Christ. Chacun avec sa requête qu'il a écrite, que tu puisses exaucer. Il y a un enfant qui, à qui il n'a pas du sang. Veillez encore lui accorder du sang au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui est malade. Nous chassons les démons des maladies au nom de Jésus-Christ. Que cela sorte et aller dans les lieux ténébreux. Et que nous puissions retrouver la guérison parfaite. Regarde la sœur qui a perdu son téléphone. Touche l'homme qui a volé son téléphone et qu'il puisse retourner cela. Et quand le téléphone sera retourné, la sœur sera dans la joie. Et la gloire et l'honneur te reviendra à toi, Jésus-Christ. Merci, Sauveur. Bénis la vase que tu vas utiliser ce soir. Qu'il puisse être seulement un instrument. Ôte toute sa personnalité. Ôte tout ce qu'il a étudié. Et que toi, Dieu, à travers le Saint-Esprit, puisse parler en lui. Parce que si toi, Dieu, tu parles et que nous saisissions, nous aurons la vie éternelle. Merci, Sauveur. Nous voulons te louer comme des gens sauvés. Bénis les conducteurs du chant. Bénis toute la chorale. Bénis tous les conseils de l'église. Bénis l'interprète de ce qu'il dit ce soir. Bénis chaque frère et chaque soeur. Même ceux qui sont encore en route, bénis-les afin qu'ils puissent arriver que nous adorions ensemble. Sans oublier notre pasteur partout où il se trouve. Seigneur, tiens-le par ta main. Garde-le. Protège-le. Et quand il sera encore parmi nous dans la paix, nous allons glorifier ton saint nom. Bénis la famille qui l'a laissé. Et encore notre pasteur Kibambe qui est malade. Nous l'oublions pas comme notre mention dans la prière. Parce que tu as dit prier sans cesse. Et prier pour que, afin que votre joie soit parfaite. Et notre joie sera parfaite. C'est quand toi, Dieu, tu les guériras. Quand il sera parmi nous, nous allons bénir et glorifier ton Saint-Nom. Et comme tu as commencé l'œuvre, c'est toi qui vas l'achever. Merci Sauveur. Merci vraiment. Pour ces bons moments que tu acceptes de nous ouvrir les entendements spirituels. Merci et chasse toute distraction du diable. Nous voulons commencer avec toi et terminer avec toi. La gloire et l'honneur te reviendra. Au nom de Jésus Christ nous prions ainsi. Amen. Amen. Bwana Mungu apewe sifa. Que Dieu soit loué. Prédicateur wa semaine ni frère Adrien wa Kolwezi. Le prédicateur de cette semaine c'est notre bien-aimé Adrien de Kolwezi. Oui, Adrien. Le frère Adrien wa Kolwezi. De Kolwezi. Jota tubiri sauti ya Mungu. C'est lui qui va nous prêcher la parole de Dieu.
Que Dieu vous bénisse. Il est temps de louer Dieu. Oh,
Nous saluons l'église du Seigneur dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur Dieu vous bénisse tous. Avant de commencer, je vous ai apporté les salutations. Kanisa ya Kilongo, Kanisa ya Kinsever. L'église de Kilongo, l'église de Kinsever. L'église de Kasangiri. Ils vous ont salué tous dans le nom de Jésus-Christ. J'ai parlé avec le serviteur de Dieu, le frère Fouamba. Il a dit que je puisse saluer l'église dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Sans perdre le temps, nous levons. Ouvrons nos Bibles dans Luc chapitre 7. Verset 36. Inclinons nos têtes, je vais prier. Baba Mungu aliye juu mbinguni, Mungu mfalme. Père céleste qui est au ciel et le roi. Mangaribi aleo tunashukuru jina lako, tunakupikia asante. Ce soir nous bénissons ton nom et nous te disons merci. Asante mokozi kwa yote unatufanyishia. Merci Sauveur pour tout ce que tu es en train de faire pour nous. Unatupermete tupate kufika katikati ya tukachikati kumbele yako. Tu as permis à ce que nous puissions être devant toi. Pour écouter ta parole, Seigneur. Pardonne nos péchés. Dispose nos cœurs pour entendre ta parole. Commence avec nous. Et termine avec nous. C'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Luc chapitre 7, verset 46. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison des pharisiens et se mit à table. Voici une femme pécheresse qui était à table dans la maison des pharisiens. Voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville et ainsi qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et c'était derrière au pied de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle mouilla les pieds de ses larmes. Na kwa ghafla akalobanisha mikulu ya Yesu na machozi yake. Kilizesuya avec ses cheveux. Ili alipanguza na nywele yake. Le baisa et les oignons de parfum. Akamubusu na akampakala mafuta. Bwana Mungu abariki kusoma kwa neno lake. Que le Seigneur Dieu bénisse la lecture de sa parole, on peut se mettre. Yekene fu mweto amena momonka. Mwanda wa bumi bwanye ke jese ne jese po. Pano nanga nanga kola mpene tata Pabilalo ne bilalo kwetu kuna mpwena Nyekeke, nyekeke, nyeke nefu mwetu Nyeke, 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 nyeke nefu mwetu Nyeke Tata eko, o kwe tu kumsaka, nasake komo na vyalwa besu lebinetu. Moya wa mirangwa, pepango vyaleza, eyo ebene benetu, bango vilabyo. Nyeke, nyeke, nyeke. Nashane panopa, mete mane fete, kwa makombe ya mungu na kato mukapo. Kwa kwetu yeso, okapa mungapo, mbolo mumezo, kumuto weya nyeke, nyeke, nyeke. Alléluia. Amen. La femme pécheresse. Mwanamuke mutenda zambi. La femme pécheresse. Mwanamuke mutenda zambi. Uyu mwanamuke. Cette femme ici. Alikuwa na famille yake. Alikuwa na famille yake. Elle avait sa famille. Alikuwa na njina yake. Elle avait son nom. Mais lakini dunia. Mais le monde. Inifichika njina yake. Akashia son nom. Inamuita sema la femme pécheresse. On l'appelait mwanamuke mutenda zambi. Kama unakuya pa hii dunia. Si elle était sur cette terre. Dunia inaweza kukupatia njina dada. Le dunia inaweza kukupatia njina. Si tu viens sur cette terre, le monde devrait te donner. Frère, dunia inaweza kukupatia njina. Mon frère, le monde peut te donner non. Uko bana uko napita banasema ngale ule kikolwa. On peut te donner le nom que voilà les livresses. Uko napita sema ngalia ule ndumba. Tu penses que voilà la prostituée. Uko napita sema ngalia ule escrow.
Tu es en train de passer, on te dit que voilà le score. Ya dunia iko mingi. Le nom du monde, il y en a beaucoup. Na huyu njira, sema la femme pécheresse. Et cette femme, ce jour-là, on avait donné un nom que la femme pécheresse. Mais mapenzi ya Mungu haina wewe ubebe njina ile dunia itakupatia. Mais la volonté de Dieu n'est pas prendre le nom que le monde donnera. Mungu yako naheshimia biumbe vyake. Dieu respecte ces créatures. Si tu suis bien cette femme, c'est la femme pécheresse telle qu'on l'appelle. Mais Yeshua, je vous dis, la femme pécheresse. Jésus n'avait pas appelé la femme pécheresse. Tout mon monde est chimère comme une béaque. Dieu respecte. Ah, Dieu respecte. C'est le diable qui aime humilier les créatures de Dieu. Donc mon père doit mon père. Huyu mwanamuke la femme pécheresse. Cette femme pécheresse. Alikuwa ku Israël. Elle était en Israël. Yesu alikuwa mu Jérusalem. Jésus était en Jérusalem. Huyu mwanamuke asikuwa nekala mu Jérusalem. Cette femme n'habitait pas en Jérusalem. Huyu mwanamuke alianza kuikala ku Bethany. Cette femme habitait à Bethany. Bethany ni village. Bethany c'est un village. Ilikuwa ko distance na Jérusalem. C'est en distance avec Jérusalem. Mais mu Jérusalem mulikuwa ba homme d'affaires. Mais à Jérusalem il y avait les hommes d'affaires. Mu Jérusalem mulikuwa ba riches. À Jérusalem il y avait des riches. Jo mulikuwa na huyu Simon le pharisien. Et c'est là où il y avait même les Simon le pharisien. Ni mtu alikuwa na mapossibilité ya mingi. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de moyens. Chiku moya alimwinvite Jésus Dieu akumsaboter. Un jour il a invité Jésus pour le saboter. Huyu mwanamuke. Cette femme. Anaanza kutoka ku Bethany. Elle quittait Bethany. Eko naenda mu Jerusalem. Elle partait en Jérusalem. Kwenda kufanya bundumba. Pour aller se prostituer. Anakwenda mangaribi. Elle partait le soir. Anafanya kazi yake. Elle faisait son service. Asubuhi anarudia. Et le matin elle rentrait. Mu Jerusalem bote bali muyuaka. En Jerusalem tous le connaissaient. Asema ni mwanamuke ndumba. Que cette femme était prostituée. Ni mwanamuke alianza kuvala mzuri. C'est une femme qui s'habillait très bien. Ni mwanamuke alianza kujipamba. C'est une femme qui s'habillait correctement. Ni mwanamuke alianza kwenda ku salon. C'est une femme qui partait au salon. Ni mwanamuke alianza kujipenda ku milomo. C'est une femme qui amenait ça. Et quand elle passait, le monde le doit être que voilà la femme prostituée. On ne connaissait pas sa famille. Il ne savait pas où elle habitait. Mais on appelait seulement que la femme prostituée. Et quand elle sortait pour partir, elle arrive à Jérusalem. Et les gens à Jérusalem, on les connaissait. On les connaissait. Quand elle passait, les gens disaient que voilà, les voilà. Alianza kwenda anafanya ambiance yake. Et elle passait pour faire ses ambiances. Alianza kutafuta mukate. Elle cherchait son pain. Alianza kutafuta nguo ya kuvala. Elle cherchait ses habits. Alianza kutafuta maisha. Elle cherchait la vie. Kila siku alianza kwenda kufanya kuveye. Chaque jour elle passait pour aller veiller à la prostitution. Siku moya. Un jour. Elle s'est habillée comme l'habitude. Elle a arrangé ses cheveux. S'il y a quelque chose qu'une femme prostituée garde correctement, c'est ses cheveux. Les cheveux de la femme, c'est ça même sa force. Alianza kutembea. Elle marchait. Eko napata franga. Elle gagnait l'argent. Busubuhi saa ingine analipa booking anarudia ku Bethany. Le matin, elle prenait le booking pour rentrer à Bethany. Mais ile siku. Mais ce jour-là. Ile siku. Ce jour-là. Alikwenda kupata kitu hapana. Il est parti, elle n'avait rien trouvé. Anaamka asubuhi. Il s'est levé le matin. Anashikia sema kule kwa patron Simon le pharisien. Il a entendu que là chez patron Simon le pharisien. Kuko feti. Il y a une fête. Cette femme s'est dit qu'aujourd'hui je ne rentrerai pas. Moi je vais d'abord aller chez Simon Kangari. Peut-être j'aurai une dernière chance. Elle est partie. Elle est arrivée à la fête. Chez Simon le pharisien. Elle est entrée. Quand elle est entrée, elle
Et là, regardez les gens qui étaient assis. Les gens qui étaient bien habillés. Les gens avec les pieds bien lavés. À l'époque, ils portaient des sandales. Les autres, les autres parlaient là-bas. Elle a jeté les yeux. Il a vu un invité. Où l'invité est négligé. Et cet invité était négligé. Il n'avait pas lavé les mains. On n'avait pas appliqué de l'huile. Elle était au coin seule. L'Esprit de Dieu est venu la visiter. Elle a dit que tu as toujours cherché les maris. C'est pourquoi elle a jeté les yeux au coin et l'a regardé. Il y a un homme qui dépasse tous les hommes. Alléluia. Amen. Elle a jeté les yeux. Elle a vu un homme particulier. Elle est allée puis elle s'est approchée. Elle a regardé cet homme au pied avec de la poussière. Elle était négligée. Elle a regardé. L'Esprit de Dieu lui a dit que c'est ici où est ta solution. Cette femme a commencé à pleurer. Comment cet homme est abandonné? Elle a commencé à pleurer. Machozi yake. Et ses larmes. Inaanza kuvuya ku mikono ya Yesu. A mouillé les pieds de Jésus. Inaanza kuvuya ku mikono ya Yesu. A commencé à descendre. Elle a continué à courir. Sa fille a chikwa na kitambala. Comme elle avait pas le mouchoir de tête. Elle a pris seulement ses cheveux. Il est salon. Qu'elle a arrangé au salon. Elle a payé beaucoup d'argent pour la pomona. Elle a défait cela. Elle a commencé à essuyer Jésus. Elle a essuyé Jésus au pied. Ma chose est qu'on a vu. Elle a larmes coulées. Elle a essuyé Jésus au pied. Mon frère bien-aimé, ma soeur bien-aimée. C'est Jésus. Il attend que. Valère yako mupeyo. T'avant que tu puisses lui donner ta vie. Et ce jour-là, salon. La femme n'a pas regardé au salon. La femme n'a pas regardé sa beauté. Anesha kupangusha. Et après avoir terminé à suivre, elle a baisé mikulu ya Yesu. Elle a baisé les pieds de Jésus. Anesha kubaisé mikulu ya Yesu. Après avoir baisé les pieds de Jésus, anafungula manashi yake ya bei. Elle a ouvert le parfum. Anamumwangia Yesu ku mikulu. Elle a appliqué sur Jésus au pied. Mwenye fete anashimama. Et le propriétaire de la fête s'est levé. Anangalia sa tia. Elle a regardé la dit non. Oui, niliita. C'est lui que j'appelle. Ah, c'est prophète. C'est la dit que c'est un prophète. Prophète, prophète, c'est-à-dire, il doit connaître tout. Comment elle a laissé cette femme pécheresse la toucher? Comment elle a laissé cette femme qui a beaucoup de péchés? Lui qui s'est dit qu'elle est saint. Ni aventurier. C'est un aventurier. Kama alikuwa prophète bien quoi. S'il était un véritable prophète. Kama aliua. Il devrait savoir. Hali ya ule mwanamuke. Eko namugusa pa maungu. C'est lui qui la touche. Dunia yuake. Le monde ne savent pas. Uyu Yesu. C'est Jésus. Asikufuata matakatifu. Il n'est pas venu pour les saints. Uyu Yesu. C'est Jésus. Alifuata matenda zambi makuwa matakatifu. Il a aimé les pécheurs pour qu'ils se soient saints. Alléluia. Amen. Ananza kuria. Elle a commencé à pleurer. Ananza kuria. Elle a commencé à pleurer. Simon est na shanga. Simon s'étonnait. Uyu mute ko je. Cet homme est comment? Comment atacha uyu mwanamke mutenda zambi? Comment il peut laisser cette uyu mwanamke mutenda zambi? Cette femme pécheresse. Tusome mbele mu verset 39. Lisons d'abord au verset 39. Verset 39. Shika vile unasema. Écoutez. Les pharisiens qui l'avaient invité voyant cela. Mufarisayo akakuya na kuona ile. Dia lui-même. Akasema ndani mwake. Si cet homme était prophète. Kama huyu mtu alikuwa nabii. Il connaîtrait qui est de quelle espèce de la femme qui le touche. Alipasha kujua hali ya huyu mwanamke huyu yuko namgusa. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Alipasha kujua kwamba ni mtenda dhambi. Jésus prit la parole. Yesu akabeba sauti. Et lui dit Simon. Na akasema Simoni. Simon. Simoni. J'ai quelque chose à te dire. Nikuna kitu kimoja cha kukuonesha. J'ai quelque chose à te dire. Nikuna kitu kimoja cha kukuonesha. Yesu anashikiliaka na bila huko anasema mroho.
Jésus, écoute tout ce que tu parles dans ton cœur. Simon ne parlait pas autrefois, il parlait dans son cœur. Jésus lui a répondu instantanément. Il a dit qu'il était un homme. Il a accrédité des personnes son argent. L'autre lui a donné 5000 francs congolais. L'autre lui a donné 50 000 francs congolais. Quand il est rentré dans cette ville, il les a trouvés sans argent. Tous deux les a pardonnés. Qui est parmi les deux qui va se réjouir de plus que l'autre? Simon le pharisien sema ni ule alikuwa na makuta ya mingi ndio atafurahi. Simon le pharisien répondit que c'est lui qui avait beaucoup d'argent. Jésus anamwambia. Jésus lui a dit. Voilà huyu mwanamke na weye. Voilà cette femme et toi. Huyu mwanamke anajitambua sema yeye. Cette femme se reconnaît que. Alikuwa na dhambi mingi kumbele ya Mungu. Elle avait beaucoup de péchés devant Dieu. Ndio maana dhambi ya huyu mwanamke. C'est pourquoi les péchés de cette femme. Inasamehewa. Et pardonné. Ceux qui étaient avec Simon le pharisien, ils sont commandés, ils sont commencé à se poser des questions. Qui est celui-ci? Qui pardonne même les péchés? Qui est celui-ci? Notre Dieu ne connaît pas. Pour connaître Dieu, pour que ça passe. Il faut que lui puisse se découvrir à lui à toi. Il faut que lui puisse se révéler à toi. Si lui ne se révèle pas, tu ne le connaîtras jamais. Verset 44. Au verset 44. Il dit ceci. Puis se tourna vers la femme. Il dit à Simon. Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle a mouillé de ses larmes. Et les a souillé avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baisers. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te l'ai dit. Ses nombreuses péchés, ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé la femme. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme. Tes péchés te sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire à eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé. Va Wende en paix. Na salama. Jésus en a prononcé pas qu'à ville. Jésus a prononcé comme ça. Mwanamke anashikia mu maungu mote. La femme a senti dans tout son corps. Uchito wa zambi bunaisha. La vie de péché est terminée. Kisha. Après. Kisha. Après. Jésus l'a mwambia. Jésus lui a dit. Ta foi. Imani yako. Ta sauvé. Inakokoa. Mangaribi ya leo. Ce soir. Kama Mungu. Si Dieu. Anasamehe zambi yako. Il a pardonné ton péché. Kama Mungu. Si Dieu. Anakupatia wokovu. Il te donne le salut. Dada wewe mwenyewe utasantira sema leo mimi napokea quelque chose. Mon passeur, tu sentiras qu'aujourd'hui j'ai reçu quelque chose. Ule mwanamke alitoka pale. Cette femme a quitté cet endroit. Na paix ile Yesu alimpatia. Avec la paix que Jésus lui a donné. Na wokovu ile Yesu alimpatia. Avec le salut que Jésus lui a donné. Anaweka pa balance.
Il a pesé balance. Ce n'était pas conforme avec l'argent qu'il gagnait chaque jour. La femme est sortie. Et elle a commencé à retourner à Bethel. Ce jour-là, elle n'avait même pas l'argent pour payer le taxi. Elle n'avait même pas l'argent pour payer le taxi. Elle n'avait même pas l'argent pour payer la famille. Mais elle a fait la joie du salut. Elle a fait le salut éternel. Quand elle passait dans la ville, on l'a regardée, elle était différente de la femme qu'on voyait. Ses cheveux étaient en désordre. Il n'y avait pas de louche. Elle avait les chaussures à la main. Et les gens regardaient. C'est cette femme. Et les gens disaient c'est elle. Et les autres disaient c'est elle. Mon frère bien-aimé, ma soeur bien-aimée, comme on a patana na Yesu, si tu te rencontres avec Maisha yako haitakuwa ile ulikuwa nayo. Ta vie ne sera pas la même. Maisha yako haitakuwa ile ulikuwa nayo. Ta vie ne sera pas la même. Mwanamke aliangalia. La femme regarde. Siku yote napataka makuta. Chaque jour je touche l'argent. Mais leo, aujourd'hui, mimi napata makuta ya kupita makuta yote. J'ai trouvé l'argent qui dépasse l'argent que j'ai. Siku yote napataka ba bwana. Chaque jour, trouve l'argent. Mais ile siku, mais ce jour-là, alipata bwana moya mwenye kupita ba bwana bote. Elle a trouvé un mari qui dépasse le mari. Anaweza aanza kurudia. Quand elle rentre, eko naimba salama. Elle chantait la paix. C'est parce que Jésus lui a donné la paix. Elle rentrait avec la paix chez elle. Elle chantait. Paix, alléluia, paix, alléluia, paix. Dans la maison de mon père, il y a de la paix. Paix, alléluia, paix. Vivi, alléluia, vivi, alléluia, vivi, dans la maison de mon père, il y a de la vie, vivi, alléluia, vivi. Dada Karashiki. Ça sert à écouter. Qui chante à la route? Ana toka mbio. Elle est sortie promptement. Anangaria. Elle a regardé. Ile siku. Ce jour-là. Pala anafika kwabo. Quand elle est arrivée chez elle. Dadaka anamuita panjina. Ça sert là appelé par son. Maria. Marie. 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 Nini nakufikia? Qu'est-ce qui t'est Ni babandi bali kupika. Est-ce que ce sont les pas? Yele nakuya vile je. Pourquoi? Bilato ku mikono je. Kapenda je. Bali ku violer. On t'a violé. Ah, c'est ma dada. Elle a dit ma sœur. Dada. Ma sœur. On est allé pour musique. Laisse-moi me répondre. Machiku yote na tafutaka salama. C'est jour. Mais leo mimi napata bwana moya. Aujourd'hui je te donne salama. Tu m'as donné la paix. Alléluia. Amina. Frère. Mon frère. Yesu ni bwana wa byakweli. Jésus c'était bon. Yesu kule libakia. Yesu kule libakia. Jésus là il était. Anaangalia kule mwanamke pesherese kuna enda. Elle a regardé la femme là elle partait. Anayua na kule alifikia. Elle savait même là. Anayua na kule aliingilia. Elle savait même là par où. Kama Yesu unamwamini hapa. Kama Yesu unamwamini hapa. Si tu crois Jésus. Hata bakia paka hapa. Il ne restera pas sans ta place. Il va te suivre même chez toi. Atekana na munyumba yenu. Il va entrer même dans votre maison. Yesu anashimama. Jésus s'est levé. Anababa mitume. Il a dit aux apôtres. Twende tukafuate yule mwanamke huyo. Allons suivre cette femme. Ni mtoto wa Abraham. C'est la fille d'Abraham. Inafai nini nionane naye. Il fallait que je puisse me parler. Nikazungumze naye. Que je parle avec elle. Après quelques jours. Après quelques jours. Jésus anababa mitume. Jésus avec ses disciples. Anashimama. Ils sont élevés. Uniambie Yesu. Dis-moi Jésus. On a à Jérusalem. Il a laissé Jérusalem. Au Jérusalem, on a fait des affaires. En Jérusalem, on a fait des affaires. Au Jérusalem, on a fait des affaires. Au Jérusalem, on a fait des affaires. En Jérusalem, on a fait des affaires. Mais on a fait des safari. Mais il a fait des affaires. Il a fait des village. Pour aller au village. Pour le manette, c'est pour Bethany. Pour celui qu'on appelle Bethany. Tu as fait des affaires. Pour suivre l'une qui a cru. Berger, on a fait des affaires. On a fait des affaires. Berger a toujours suivi les brebis, même là où il est. Alléluia. Amen. Maria Gloria. Marie pleure. Bwana wangu. Monseigneur. Gloire, gloire, gloire. Utukufu, utukufu. Gloire.
Léo. Aujourd'hui. Tangu ile siku. Depuis ce jour-là. Maria kufuata na bundungu. Marie n'était pas encore. Tangu ile siku. Depuis ce jour-là. Maria kwenda tena mu Jerusalem. Marie n'était pas encore. Alianza kuchunga. Elle Bwana mfuate. Le Marie puisse lui suivre. Na Yesu ni mwana wa kweli. Eh Jésus c'est un bon mari. Kama unapatana naye. Si tu te rencontres avec lui. Atakufuata na kwenu. Il va te suivre mes chevaux. Marthe shuk barabara. Marthe était à la route. Anashtuka tu. Muntu moyo anakuja. Ya eno mikivene. Muntu moyo anakuja. Ya eno mikivene. Na ba mitume pembeni. Avec les disciples à côté. Jambo yenu mtumishi. Bonjour serviteur. Jambo sana. Bonjour. Karibu kunyumba. Approchez à la maison. Ni Martha wewe. C'est Marthe qui approche. Anamkaribisha Yesu. Elle approche Jésus. Yesu. Jésus. Anakwenda. Elle est partie. Anaingia munyumba. Elle est entrée dans la maison. Vis-à-vis Yesu na Maria. Vis-à-vis Jésus. Alléluia. Amen. Kama Mungu anakuhurumia dhambi. Si je te pardonne les péchés. Anakuwa rafiki yako. Tu deviens son ami. Na Maria ile siku. Et Marie ce jour-là. Na Maria ile siku. Et Marie ce jour-là. Hakuweza kuchakula kitu kingine. Il ne peut choisir autre chose. Hakuweza kuchakula tabukari. Il ne peut choisir même le pain. Maria anapiga macho. Mais Maria je te. Anamwona Yesu. Elle a vu Jésus. Frère, dada, ma sœur, Maria anasema leo sitatoka munyumba leo. Maria tiko jote je ne vais pas quitter la maison. Banamtandika Yesu kichi. On a donné Jésus, la chaise à Jésus. Banamtandika Yesu kichi. On a donné la chaise à Jésus. Marthe, Marthe, dada yake Marie. La sœur de Marie. Maria anamwambia sema njoo nilikwambiaka. Maria tiko c'est lui que je t'avais dit. Atakuja ni? Qu'est-ce qu'elle va faire? Ici, nous, dans la maison, nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Martha a commencé à se précipiter. Elle est partie au marché. Elle a acheté à manger. Elle est partie. Elle a pris les assiettes. Elle a commencé à manger. Marie n'était même pas là. Quand on a donné la chaise à Jésus, Marie était à côté de Jésus. Mambo yake ni ashikie vile Yesu yako anasema. Son problème est d'écouter ce que Jésus dira. Mwaminifu wa kweli. Le véritable croyant. Kutaka kwake kote. Toute sa volonté. Ni kwa kushikia vile Yesu yako anasema. Écouter ce que Jésus dira. Jo kama Yesu anasema. Si Jésus dit. Utapokea uzima milele. Tu auras la vie éternelle. Jo kama Yesu anasema. Si je parle, Jésus parle. Utakuwa mtu mwenye haki. Tu deviens un véritable. Na imani itazaliwa. Na imani itazaliwa ndani mwako. Et la foi sera en toi. Marie, Marie, elle est capable de venir à Jésus. Elle était à côté de Jésus. Jésus venait qui car. Jésus était assis. Ça venait Jésus à chikana que boule. Comme Jésus ne. Jésus en a ça kusema. Jésus parle. Parle Jésus qu'on a sema. Quand Jésus parle. Marie a compris la rime là. Marie, Marie. Alléluia. Exclame toujours amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À Sainte Bonne. Marthe combi. Marthe lui. Aïe de quoi on babula. Elle est partie. Elle a tenu que j'en babula. Elle a ouvert ma cara. Elle a mis le prêt. Pourquoi ne t'as couru à Nini? Anapita mbio. Anakwenda. Elle est partie. Anaanza kusafisha masani. Anakomasa rangele. Sasa moya Martha anaangalia sema. Sasa tomo Martha anaangalia. Huyu Maria wetu. C'est notre Marie ici. Ananiacha unahangaika mimi mmoja mko. Elle m'a laissé. Sasa yeye. Anaanza tu kuikana pale pembeni. Mukere atakulia nini? Elle est partie ce soir à côté. Qu'est-ce qu'elle visite pas moi? Anaingia munyumba. Anaingia munyumba. Elle rentre dans la maison. Olia kumwambia Maria. Olia te dire à Marie. Sasa vile aliua mukere ko pale. Comme il savait qu'il y avait le visiteur. Il a adressé quoi Mukeni. Il a dit aux visiteurs. Qui est Jésus? Où l'a quoi Jésus? Bwana. Seigneur. Bwana. Seigneur. Umwambie mbele ndugu yangu. Dis d'abord à ma sœur. Anekala tu pale. Elle est assise là. Ananiacha vile niko na foyofoy ni unahangaika mimi mwenyewe. Elle parle c'est en train de. Tu ya kutafuta cha. Tu ya kutafuta chakula. Pour chercher à manger. Ananiacha mimi mwenyewe. Elle m'a laissé seule. Aliwaza sema Yesu ni mtu normal. Elle pensait que Jésus était un homme normal. Yesu anaanza kumshanga. Jésus a commencé à s'étonner. Marthe. 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 Pourquoi agité? Pourquoi tu as agité? Pourquoi la luka juu ya nini? Pourquoi tu as agité? Maria huyu unaona. Marie que tu vois. Ana chakula kitu kizuri. Elle a choisi une bonne chose. Kila moyo hata mnyanganyaka akyo. Kila hata mtu hata mnyanganyaka akyo. Chaque homme ne peut jamais. Maria alichakula kitu kizuri. Maria choisit une bonne chose. Pourquoi elle chakula kitu kizuri? Pourquoi elle choisit une bonne chose? Alikuwa déjà na wokovu bu Yesu alimpatia. Elle avait déjà le salut que Dieu l'avait donné. Zambi yake ni kwani sikusamewa. Ses péchés étaient déjà pardonnés. Martha yeye ni kukomprendre mkuu wa Yesu. Martha n'avait pas encore compris Jésus. Attaché kubidi ya dunia.
Lui, elle a saisi les choses du monde. Frère, mon frère, Dieu m'en a cherché. C'est pourquoi nous, mon message, dans le message, à tout le sein de Pentecôtistes, nous ne sommes pas comme des Pentecôtistes. Mon message, dans le message, à tout le sein de ma dénomination, nous ne sommes pas comme des dénominations. Nous devons chanter, nous devons chanter, nous devons faire des mambo yote, nous devons faire tout. Mais ça y est, tout yote. Mais tout notre temps, ni ma chikiyo, ni chikiyo, mille yese qu'on a sema. C'est que les yeux, les oreilles puissent écouter ce que Jésus dira. Jacques 1. Jacobo sura ya kwanza. Jacques. Jacobo. Chapitre 1. Jacobo sura ya kwanza. Verset 19. Mustari ya 19. Sachez-les mes frères, bien-aimés. Hipa pendwa. Ainsi que tout homme. Hivi kila mtu yote. Soit prompt à écouter. Akuya tayari jo kusikia. La parler. Akwa murefu kukusikia. La se mettre en colère. Murefu kukukasirika. Romains 10. Wa Roma 10. Joël et Marie alichagula. C'est ça que Marie avait choisi. Romains 10. Wa Roma 10. Romains 10, 17. Wa Roma 10 sura ya 17. Bible la sema hivi. La Bible dit ceci. Ainsi Ivi, la foi imani, vient de ce qu'on entend. Inakuya kile manasikia. Ce qu'on entend ile unasikia, vient de la parole de Christ. Ile natoka kuneno la Kristo. Alléluia. Amina. Marie aliua imamu. Marie savait ses problèmes. Job 22. Ayubu makumi mbili na mbili. Job. Ayubu. Chapitre 22. Sura makumi mbili na mbili. Kwanza pa 21. On commence à partir du verset 21. Mon frère bien-aimé et ma sœur bien-aimée, tu sais dans quel moment nous vivons. Il ne faut pas vivre comme un pentecôtiste. Nous sommes les gens qui connaissent notre vérité. Dieu nous a révélé à connaître notre temps. C'est temps. C'est le temps de rétablissement de toutes choses. Et chacun retourne à sa place. Et après ce temps, l'église. Si tu as ta place, si tu n'as pas ta place, tu n'iras pas dans l'église. Et Marie, elle savait sa place. 22-21. Ayoub. Chiki a vu la Bible qu'on a sème. Écoute ce que dit la Bible. Attache-toi donc à Dieu. Uchiunge bashi kwa Mungu. Tu auras la paix. Utakuwa na salama. Jo ile paix Marie alikuwa nayo. C'est ça que la paix que Marie avait. Tu jouiras ainsi du bonheur. Utafurahikiwa basi na heri. Reçois de sa bouche l'instruction. Pokea kutoka kinoni mwake mafundisho. Et mets dans ton cœur ses paroles. Na uweke ndani ya moyo wake maneno yake. Maria alikatala mufuma yote. Maria refuse tout mouvement. Anakala paka pembeni ya Yesu. Elle a pris seulement la parole de Jésus. Kwa kusikia vile Yesu yako nasema. Elle écoute seulement ce que Jésus. Na kuibiweka moyo yake roho. Na kuibiweka moyo yake roho. Le mettre dans son cœur. Shikia sasa. Écoutez maintenant. Tu seras ainsi rétabli. Utarudishwa mwinamna. Kama unakuya kusikia neno la Mungu vile unafai. Si tu écoutes la parole de Dieu telle qu'il faut. Utakuwa rétabli. Tu seras rétabli. C'est la parole qui est en train de rétablir l'église. Ni neno ndio kunarekebisha kanisa. Tu seras rétabli. Utarekebishwa. Si tu reviens au Tout-Puissant. Kama unarudia kwa uwezo yote. Si tu éloignes l'iniquité à ta tente. Kama unaendesha mbali ovu ndani ya yako. Jette l'or dans la poussière. Jette l'or dans la poussière. Weka zahabu ndani ya mavumbi. Tupa zahabu mvumbi. Kama unashikia Mungu yako nasema. Si tu écoutes Jésus parler. Hata ulikuwa na zahabu. Même si tu avais de l'or dans la main. Oui, tupe. Jette-le. Zahabu yako ni nini? Ton or c'est quoi? Beauté yako. C'est ta beauté. Zahabu yako ni nini? Ton or c'est quoi? Kiburi yako. C'est ton orgueil. Zahabu yako ni nini? Ton or c'est quoi? Zahabu yako ni kile kyote unatumainia mu yako maisha. Ton or c'est tout ce que tu espères dans ta tupa. Vie. Tupa. Jette. Kama unashikia Mungu anasema. Si tu écoutes Jésus parler. Tupa. Jette. Ye Mungu ye. Je lui. Atageuka njoo anakuwa zawadi yako. C'est lui qui sera maintenant ton don. Jette l'or dans la poussière.
dumba za adhu. Maria alibeba bundumba yake. Maria pris sa prostitution. Maria alibeba mzuri ya nywele yake. Maria pris le cheveli. Anaitupa mvumbi. Et là jeté dans la poussière. Maria sikuwa na kabelo. Maria n'avait pas de cabello. Maria alikuwa na nywele yake naturel. Maria avait les cheveux naturels. Mungu yako bezo murudishie vile alikupaka. Viens, cherche à te retourner ce que tu as fait. Qu'il ne te donne pas les choses que tu as fait. Donne-lui ta vie que tu as fait. Donne-lui la peau, le temps qu'il avait donné. Donne-lui ta masque qu'il t'avait donné. Jette tout dans la poussière. Et lui sera ton trésor. L'église accepte Amina. Chikia. Écoutez. C'est terrible. Marie a lui habitu. Mais terrible, Marie savait les choses. Jette l'or. Tout passable dans la poussière. Il m'a fondu. L'or de fuir parmi les cailloux des torrents. Katikati amito ya gereti. Ile oro ni maibo ya bei. Ha. Cet or, c'est le son le plus précieux. Oro ni maibo ya bei kupita maibo ya mingi. L'or, c'est une pierre précieuse qui dépasse toutes les autres pierres. Mungu anakuambia mangaribi leo tupayo. Jésus te dit ce soir que jette. Joya Yesu tupayo. Pour Jésus, jette ça. Tupa buyana mwako. Jette ta jeunesse. Tupa kibengo yako. Jette ton orgueil. Tupa burefu yako. Jette ton tatayo. Tupa masomo yako. Jette tes études. Kuya kuko Yesu. Viens Jésus. Maria ni tupa. Maria jete. Nywele yake ya musalon. Laisse tes cheveux du salon. Alipangusa kumfumbi ya Yesu. Elle a essuyé la poussière de Jésus. Manashi yake ya bei. Le parfum qui coûtait cher. Alimwangia kumikulu ya Yesu. Elle a appliqué ça au pied de Jésus. Bali Yesu anaona vile. Quand Jésus a vu cela. Shikia vile anasema mvue 5. Écoutez ce qu'on dit au verset. Elle est tout puissant, c'est là ton or. Na wawezo yote atakuya zahabu yako. Ton argent. Feza yako. Ta richesse. Na utajiri wako. Alors tu feras le tout puissant tes délices. Sasa utafanya wawezo yote bizuri vyako. Est-ce que l'église me suit très bien? Tu feras de tout pour ça tes délices. Ou ta femme ou est-ce là? Tu élèveras vers Dieu ta face. Ou ta la mouche en belle à Mungu ou soyako. Tu les prieras. Ou ta omba. Tu les prieras. Ou ta mouamba. Ou ta kunjama. Ou ta mouamba. Tu les prieras. Tu t'exorceras. Na atakutibia. Quand ils s'abouchiquent, amen. L'église accepte, amen. Tu prieras, ta momba, il t'exorcera, ata kuchibia, tu accompliras tes vœux, ta timiza viapo viako, à tes résolutions, na kukwamua kwako, tu répondras les succès, utapata kuweza, sur cet entier, yulu ya ikota, priera la lumière, utangaa nuru, jene humiliation, kuna toka kupatishwa, kama wana kuzarau, tu prieras pour ton relèvement. Kutakuya kunanuliwa kwako. Dieu secours, c'est lui donc le regard est abattu. Il te livrera même les coupables qui devra se salir à la pureté de t'aimer. Ule atakuya ukovu juu ya utawa. Mimi nasa kanisa ishiki hata. Je pense que l'église n'a pas. Kama unatuma oro, unatupa oro yako. Si tu jettes ton or, Mungu anasema ye. Jésus a dit que lui, anakuwa oro yako. Il devient ton or. Kyote kile utalomba, tout ce que tu demanderas, yeye atakujibu. Lui te répondra. Kama unapata ma problème, si tu trouves des problèmes, yeye ataleta solution. Lui te donnera la solution. Est-ce que kanisa unashikia? Est-ce que l'église écoute? C'est terrible, frère. C'est terrible, mon frère. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Ces choses, ce n'est pas moi qui le dis. C'est Dieu qui parle. Il vous dit, vous, ces enfants. Il s'adresse à vous pour que vous ne puissiez pas dormir. C'est terrible. Que Dieu nous pardonne. Mungu est dormi. Que Dieu nous pardonne. Uyu Mungu akumbi. Le Dieu du ciel ici. Anaama. Il a déménagé. Anaama. Il a déménagé. Alikuwa kuikala lote ku Bethany. Il est venu habiter. Kama unamtokea Yesu. Si tu reçois Jésus.
hata kwa chaka. Il ne t'abandonnera jamais. Utekala na yelote na siku yako itaenea hapa dunia. Tu resteras avec lui durant toute ta vie sur la terre. Ali chika kukala mu nyumba ba Marie. Il a dit Ali chika kukala mu nyumba ba Marie. Il a accepté d'habiter dans la maison de Marie. Maria, dans la maison de Marie. Tu as imani ya Maria. Pour la foi de Marie. Yesu alikala amo. Jésus habitait là. Maria na Martha bakwera mama yabo. Marie et Marthe n'avaient pas leur père. Ils n'avaient pas leur père. Yesu anakeuka anakuwa baba yao. Jésus était devenu leur père. Mule mu nyumba mule. Dans cette maison ilikuwa nyumba ya mambo. C'était une maison problématique. Maria baya mwaka. Marie n'était pas mariée. Martha baya mwaka. Martha aussi n'était pas mariée. Abaya konkola kataza odi mitawa. On avait même toqué à la porte que nous venons prendre. Lazare. Lazare. Bashim an a bonne santé. Lazare n'était pas en bonne santé. Mais Jésus, anafanya ile nyumba mnakuwa makao yake. Il a fait cette maison sa demeure. Mon frère. Huyu Yesu ni nani? Dis-moi, mon frère, qui est ce Jésus? Ule analeteka kazi kwa bantu ni Yesu. Qui, celui qui donne le travail, c'est Jésus. Ule anawinishaka ni Yesu. Celui qui enrichit, c'est Jésus. Ule analeteka mariage ni Yesu. Celui qui donne le mariage, c'est Jésus. Ule analeteka makuta ni Yesu. Celui qui donne l'argent, c'est Jésus. Yote bila unatafuta ni Yesu. Tout ce que tu cherches, c'est Jésus qui le donne. Ule kona Yesu, ule kona biote. C'est Jésus qui a tout. Anekala mu Bethany. Il est habité à Bethany. Mouba Maria. Chez Marie. Marie. Ukorariaria somie ndio nikio kupelekana mudunia. Tu te plains que c'est moi qui est venu accompagner. Tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Na Yesu. Ah, avec Jésus. Maisha yako. Dans ta vie. Wewe ukorariaria. Toi tu te plains. Hapana, Maria shukurie. Non, Marie n'était pas plainte. Maria aliangalia. Maria regardait. Nasema ma difficulté yote sasa itakuya. Elle a dit que toute la difficulté qui vient. Uko mtu moya ataleta paka solution. Il y a un homme qui apportera la solution. Mushifate kwa radio kuna sema oh kama bakuowe hauna na Mungu. Ne suivez pas ceux qui se disent au radio que si tu te mens, si tu n'es pas marié, tu n'as pas Dieu. Sa vile malaria kwa utunzwe hauna na Mungu. Comme ta maladie n'est pas guérie, tu n'as pas Dieu. Bongo sana. Mensonge. Ule natunzanaka. Celui qui guérit, alikuwa mule. Il était là. Lazare anandika mademande na mademande ya kazi. Lazare a écrit des demandes, demandes de travail. J'ai l'honneur. Niko na yeye. J'ai l'honneur. J'ai l'honneur. Elle demande en partie, on n'a pas répondu. Mais Jésus a donné le travail dans leur maison. Écoutez ce Dieu que nous croyons. Mais kuwa tranquille, Yesu yuko na wewe. Anayua maisha yako. Anayua na mabezwe yako. Si vous m'avez décidé. Anna toka mu Bethany. Anenda tena fashion. Lazaro huko. Shetani anaangalia. Anampiga Lazaro fever. Mu nyumba mule Yesu ashakuhamia. Maria sema leka. Yesu yuko huko. Tutangaikia nini? Hapa malaria hili yako nayo. Tuma motara ende mbio akamwangali. Akuya Aisha imam. Qu'il vient terminer. Maria aliamini asema Yesu ataleta solution. Oh mama je parle Jésus amènera. Motara naenda. Le motara est parti. Anaenda kutanisha Yesu kule kumkini alikuwa. Il est parti rencontrer Jésus au final. Asema ule unapendake yuko malaria. Il a dit que c'est lui que tu aimes. Kama unakawia atakufa. Si tu traînes va mourir. Jean 11. Yohano 11. Tu tuko naishia pale. Nous allons terminer par là. Jean-Ange. Yohano Kuminamoja. Dada. Ma soeur. Ushiangaike. Ne te tourmente pas. Ushiangaike. Ne te tourmente pas. Kama uko na Yesu uko na biote. Si tu as Jésus, tu as tout. Jean-Ange. Yohano Kuminamoja. Tuko na njia paka pale.
Nous commençons au premier verset. Il y avait un homme malade, Lazare. Kurikuya comme un tumugonjwa, Lazare. De Bethany. Waku Bethany. Village de Marie. Kijiji cha Maria. Et de Marthe sa sœur. Na Marthe dada yake. C'est cette Marie. Ni huyu Maria. Qui oignait le parfait le Seigneur. Ularipaka la manukato. Qui lui essuyait les pieds avec ses cheveux. Ularimupanguza mikuu yake na nywele yake. Et son frère Lazare qui était malade. Nani ntuku yabo Lazare njoro kwa mgonjwa. Le sœur envoyait dire à Jésus. Batata yake bakatuma na kwenda kwa Seigneur. Bwana. Voici celui que tu aimes. Tazama ule unapenda. Est malade. Yeye ni mgonjwa. Après avoir attendu cela. Kisha kusikia ile. Jésus dit. Yesu akasema. Cette maladie. Hii magonjwa. N'est point à la mort. Haina juu ya lufu. Frère. Donc, Mungu yako matata sana. C'est terrible. Muntu gravement. Un homme gravement malade. Asema ile malaria itapeleka kulufu. Il a dit que cette maladie ne l'emportera pas à la mort. Aitapeleka kulufu. Cela ne va pas l'emporter à la mort. Si tu suis très bien, il dit, c'était bien que je puisse sortir pour qu'il soit malade. C'était bien que je puisse quitter cet endroit pour qu'il ait la maladie. Il a dit le messager que toi vas. Je viens. Au lieu d'aller vite, Jésus a baguette dans la forme mambo yake. Jésus est resté faire ses affaires. Pourquoi Lazare? Ici Lazare. On a parlé de Kurea. On l'a amené. Ma voix est déke. Le problème n'est pas. Apa Lazare. Ah c'est. On a tout pas bilat. Ici là Jésus Lazare est mort. Mungu aya kuyaka muretara mu mambo yako. Jésus n'a jamais venu arrêter dans tes problèmes. Kanisa simuitike. Église acceptée. Ni unashanga. Je m'étonne. Mungu ye. Dieu lui. Mu mambo yako. Dans tes problèmes. Haya kuyaka na reta. Il n'a jamais venu arrêter. Anakuyaka mu wakati yake. Il a toujours venu à son temps. Est-ce que vous le comprenez bien? Est-ce que tu comprends bien? Mungu haya kuyaka na retara mu mambo yako. Dieu n'a jamais venu arrêter à tes problèmes. Kama unamwambia mambo. Si tu lui dis tes problèmes. Sulako. Oublie. Wakati yake atasonta atajibu neno lako ni unapondra. Amina. Alleluia. Amen. Tushimamie pale. On s'arrête par là. Tuendelee kesho. Nous allons continuer demain. Inafaa kumpenda Yesu. Il faut aimer Jésus. Inafaa kumpenda Yesu. Il faut aimer Jésus. Ndio maana kanisa. C'est pourquoi l'église. Mupike mbele bikelekele juu ya Yesu. Acclamons d'abord pour Jésus. Vous allez écouter demain. Invitez les gens. Cet homme est terrible. Il est terrible. Même si ta maladie est comme ça, lui va apporter la solution. Yesu mokozi wetu mwema. Yeye mzuri. Frère, mon frère. Tuimbe. Chantons. Tumuimbie. Chantons pour lui. Tumuimbie. Chantons pour Dieu. Tu yeye. Car lui. Eko nafanya mikubwa. Transis, nimo za Mungu. Yesu mokozi wetu mwema, yeye mzuri.
Alléluia.